J'ai longtemps été accablée de questions, de peurs, de doutes. Car on ne m'avait pas enseigné que les violences étaient partout, qu'elles sont sournoises et même souvent taboues. Environ 641 millions de personnes dans le monde, selon l'OMS, sont victimes d'abus, de violences. Il est donc nécessaire et important pour moi d'aborder ce thème qui fait tant écho et ravage dans notre société, à savoir les violences basées sur le genre, à savoir les violences faites aux femmes. Très cher auditoire, recevez mes salutations les plus distinguées. Je suis Dao Fatim Salma, étudiante en Master 2 des sciences du langage et communicologue de formation. Âgée de 22 ans, je suis la candidate numéro 24 au concours Miss 2.0 édition 2021. En ce jour, mesdames et messieurs, je serai la voix de ces femmes silencieuses, violentées et brisées. Et j'ose espérer qu'à la fin de mon message, ce qu'on retiendra, c'est que la violence est négative, quelles qu'en soient ses formes. Action de dominer ou de contraindre, la violence est l'un des crimes les plus répandus, devenant ainsi pandémie mondiale, car une femme sur trois est victime de violences conjugales, et ce dans tout le monde entier. Mais aujourd'hui encore, malgré toutes les dispositions entreprises pour la défense des droits des femmes, l'étiquette de sexe faible, l'étiquette de facilité, d'incapacité est encore adressée à cette même femme. Alors la question qui me taraude l'esprit est, où est donc sa place? Où est donc la place de cette femme qui, dans la conception de tout un chacun, est censée être auprès d'un homme en tant que moitié, en tant que mari ou femme, pour la protéger et aujourd'hui se voit retourner la tendance et étant comme un adversaire de catch? Où est donc la place de cette jeune fille, déshabillée par des regards malsains, jugée par la société comme étant inadaptée au travers de sa tenue vestimentaire, par la suite violée avec cette ultime question, mais que portais-tu comme vêtement? Je parle au nom de cette mère battue, violentée. Je parle au nom de cette sœur violée devenue coupable au lieu d'être la victime, de cette fille excisée à en perdre sa fertilité au nom d'une tradition. Ma voix reflète aujourd'hui les larmes versées par toutes ces femmes silencieuses. Mesdames, il est temps de se tenir debout. Lorsque la violence regresse, lorsque le langage regresse, la violence progresse. Mesdames, il est temps de se tenir debout pour espérer un changement durable et surtout permanent, car oser, c'est se réaliser. Je vous remercie.